forces armées. Réalisé par la direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs de Armée Nation, bonjour. Bienvenue dans La Voix du Djamba, une émission conçue et réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées. Le sommaire dans un instant. La ligne de mire de cette émission sera consacrée à la cérémonie de baptême de la salle de sport du quartier Djeldjop. Elle est ma qui sera suivie de la rencontre du chef d'état-major général des armées avec les partenaires des directions de services dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Le mini-journal sera consacré à la cérémonie symbolique de remise d'appareils de diagnostic automobile à des sous-officiers mécaniciens retraités à Castor. De Castor, nous irons en Gambie pour partager avec vous les temps forts de la journée de cohésion dédiée aux militaires du rang du 4e détachement sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. La dernière rubrique du mini-journal est l'entretien avec le lieutenant Normand Defrika Ndeki de l'état-major de l'armée de l'air, qui s'épanchera sur l'organisation du concours d'entrée à l'école de l'armée de l'air, session 2021. La rubrique « Que sont-ils devenus ?» est allée à la rencontre du capitaine à la retraite Mamadou Sarr, ancien sociétaire de l'association sportive des forces armées. Les avisés communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, le sergent Alassane Diop, à la cabine technique, le sergent Famara Bodian. Le développement des titres dans un court instant. La cérémonie de baptême de la salle de sport du quartier Djeldjop a eu lieu ce mercredi 24 février 2021 dans l'enceinte du camp. Elle a été présidée par le général d'armée aérienne Birim Diop, chef d'état-major général des armées, en présence du général de corps aérien à la retraite Mamadou Seck, d'officiers généraux des grands commandements des services et du parrain. Cette infrastructure sportive de dernière génération porte désormais le nom du capitaine Mamadou Sarr, un ancien de l'association sportive des forces armées qui a fait les beaux jours de l'athlétisme national et international. Reportage Sergent Amadou Faye. La construction de cette salle de sport confirme la vision du chef d'état-major général des armées qui place l'homme au cœur de ses préoccupations. En effet, l'infrastructure construite en R+1 est entièrement rénovée avec une grande capacité d'accueil et mise à la disposition des militaires pour leur préparation physique. Elle comporte une salle gymnastique au rez-de-chaussée et une salle de musculation équipée de matériel sportif de dernière génération au premier niveau, avec une vue sur l'océan Atlantique. Ce joyau sportif du camp Djeldjop a été baptisé capitaine Mamadou Sarr, un as de l'athlétisme. S'adressant à l'assistance, le chef de bataillon Samandiaye, commandant le bataillon des sports, est revenu sur le parcours élogieux du parrain. C'est un honneur et un privilège de rappeler devant cette assistance les hauts faits d'un citoyen modèle, d'un militaire engagé dans l'âme que le commandement a décidé d'honorer ce matin. Le capitaine en réserve, Mamadou Sarr, ici présent, matricule 458-00. 024 est né le 11 août 1938 à Saint-Louis. Le 4 septembre 1958, à l'âge de 20 ans, il s'incorpore comme appelé. Après 35 ans de bons et loyaux services, outre une affectation au 1er bataillon en 1961, le capitaine Mamadou Sarr a tour à tour servi à la 8e CV à Kolda, à l'association sportive des forces armées. Il est et demeure à ce jour l'un des précurseurs et encadreurs de brillants sportifs de l'ASFA qui ont porté très haut l'étendard de la nation. Diplômé en chef de l'école inter-armes des sports de Fontainebleau, il est titulaire du diplôme de 3e degré pour les disciplines de course, de saut, de lancer de la Fédération française d'athlétisme. Plusieurs fois champion scolaire de l'Afrique occidentale française et du Sénégal, aux épreuves de 800 mètres et 100 mètres, le parrain a été 9 fois
sacré champion du Sénégal aux 400 mètres. 5 fois champion du Sénégal aux 110 mètres, le capitaine Sarr est le recordman du Sénégal aux épreuves de 110 mètres, de 200 mètres, de 400 mètres et de 4 fois 400 mètres décathlon. Ayant pris part à deux sélections aux Olympiades de Tokyo en 1964 et Mexico en 1968, il a décroché la médaille d'or des 4 fois 400 mètres aux Jeux de l'Amitié en 1963 à Dakar, aux Jeux africains de Brazzaville en 1965. Demi-finaliste des 400 mètres et à Mexico, il a arraché la médaille d'argent des 400 mètres et aux Jeux de Brazzaville. Devrais-je taire les victoires des 400 mètres et au meeting de Hagen en Allemagne en 1966, de Creil, Chambéry en France, de Prague, Ostrava en Tchécoslovaquie, Louvain et j'en passe. Enfin, le parrain est médaillé de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la mission du bataillon du Mali. Il devient président de la Ligue de Dakar, joueur et encadreur de volleyball au sein de l'équipe nationale. Le capitaine Sarr est l'un des piliers de la prestigieuse équipe de football des années 70 qui a fait vibrer beaucoup d'entre vous. Venu participer à la cérémonie en tant qu'invité d'honneur et sportif, le général de corps aérien, cadre de réserve Mamoudou Marsou Seck estime que le geste symbolique du chef d'état-major général des armes démontre qu'il n'a pas oublier les anciens. Le fait de me rendre compte qu'on ne nous a pas oubliés, c'est qu'une grande personnalité a dit que nous n'avons pas d'histoire. Mais ce que le général Ben Diop a plus ou moins inscrit dans son passage, c'est qu'il n'a pas oublié les anciens et les fêtes passées. Et quand on voit l'environnement ici déjà, on peut lire l'histoire brève de l'armée sénégalaise. Et quelqu'un comme ça n'est que capitaine et on aurait pu dire que c'est seulement les généraux qu'on honore. Mais lui, il a fait un long parcours et nous avons fait des parcours ensemble puisque je crois que j'ai toujours aimé le sport. Je l'ai même imposé quand c'était nécessaire parce qu'un soldat ne peut pas ne pas être en forme. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est symbolique que le général Diop puisse nous rappeler tous ces faits, en particulier l'ASFA a été pendant très longtemps la première équipe pratiquement dans toutes les disciplines et le rôle de Sarr était fondamental pour l'entraînement quotidien. Je pense donc qu'il a bien raison, le général Diop, de célébrer avec moi les fêtes de ce Sénégalais que je considère comme un héros national. Du haut de ses 83 ans, le capitaine en retraite Mamoudou Sarr, parrain de cette cérémonie, s'est dit très ému. S'il y a une personne qui est confuse en ce moment, c'est bien moi-même. Certes, dans ma vie, ma longue carrière de sport, j'ai eu beaucoup de satisfaction. J'ai eu à faire 5 Olympiades. J'ai fait tous les continents du monde. Mais la journée d'aujourd'hui n'a pas d'égal. Merci mon général. Merci les armées. Senghor Diokhonoma, porte-drapeau du Sénégal, avec 293 personnes aux Jeux de Brazzaville, j'en suis revenu avec 2 médailles d'or. J'ai gagné la médaille d'or aux Jeux de Dakar. J'ai fait beaucoup de podiums, mais c'est mon journée de taille en Moldende. C'est dommage que mon épouse et mes petits-enfants ne puissent pas venir. Toute mon équipe à la Jandac, jusqu'avant-hier, j'étais jusqu'à Richard Toll pour participer aux compétitions, comme l'a dit le général Seck. À ce jour, je quitte ici, je m'en vais à l'entraînement au camp Ogas pour participer à l'entraînement de la Jandac. Je n'arrête pas. J'ai dit même à mes enfants, le jour que serait étendu, mais semblavons dit, ils auraient aimé être ici. Et c'est les civils qui devaient faire ça. Mais vous avez devancé tout le monde. Vous avez l'inspiration telle que, avant que je n'aille sous terre, honorez-moi. La préparation physique du militaire est une nécessité opérationnelle. Elle est permanente dans les armées. Le sport permet aux militaires d'acquérir une aptitude physique et mentale permettant de faire face aux contraintes du métier, comme disent les Latins. Mensana in corpore sano, qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Cette salle de sport, capitaine Mamoudou Sarr, va sans nul doute contribuer à hisser plus haut la pratique du sport. La cérémonie a pris fin au jardin botanique du quartier Dialdiop où le général de corps aérien à la retraite, Mamoudou Marsou Seck, et le parrain ont chacun planté un arbre. <t'en>
Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, le comité des fournisseurs des directions de services des armées a remis à la mutuelle des armées un chèque de 14 800 000 francs CFA. C'était lors d'une rencontre avec le général d'armée aérienne Birem Diop, chef d'état-major général des armées, le mercredi 17 février 2021 au quartier Dial Diop. Reportage sergent Amadou Faye. Ce geste fait suite à l'appel du général d'armée aérienne, chef d'état-major général des armées, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Ces fournisseurs réunis autour d'un comité ont bien voulu remettre un chèque d'un montant de 14 800 000 francs CFA aux grands blessés à travers la mutuelle des armées. Madame Mansar Mbaye, présidente de la comité des fournisseurs des directions de services des armées, sous l'objectif de cette rencontre, elle exprime ici toute sa fierté d'avoir répondu à l'appel du chef d'état-major général des armées. L'objet de la réunion, c'est que le général Birem Diop avait initié une rencontre avec les fournisseurs et avait souhaité vraiment de nous organiser en comité. Et nous n'avons fait que répondre à l'appel du général Birem Diop. Et avec un groupe très restreint, on s'est battu pour que vraiment, avant que le général Birem Diop quitte les armées, on fasse un geste. Et c'est ce geste-là qui a été aujourd'hui à l'origine de notre réunion. Le geste consistait à remettre un chèque de 14 800 000 que les fournisseurs ont réunis pour pouvoir vraiment répondre à son appel. Et par rapport à ça, je pense que nous sommes très contents et très fiers à ce jour de pouvoir le faire. Les fournisseurs des armées, à travers la présidente du comité, souhaitent pérenniser le geste. Madame Mansar Mbaye. Tout ce que nous souhaitons, que ça s'installe dans la durée. Et tout ça, ça dépendra de l'armée. Ça ne dépend pas de nous. Parce que nous avons répondu à votre appel. Maintenant, c'est l'organisation qui vous appartient. Si les directions des services, d'autres, décident qu'à chaque fournisseur qui passe ici, qui travaille, doit participer. Parce qu'il y a l'initiative qui est là. On a un petit groupe. On ne prétend pas continuer à diriger. Mais au moins, on peut organiser les futurs fournisseurs et organisateurs pour vraiment, comme vous dites, que cette œuvre perdure. Le colonel Mama Ndiaye, président du conseil d'administration de la mutuelle des armées, estime que ce geste est d'une importance sociale, car selon lui, il permet la prise en charge d'un certain nombre de malades. Aujourd'hui, effectivement, nous avons assisté à une rencontre entre les responsables de la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une notion que tout le monde connaît. Mais j'avoue que c'est une première fois dans l'armée qu'on arrive à une concrétisation du concept. Donc j'avoue que ça a une haute importance sociale, une haute portée au niveau de la mutuelle surtout. C'est la mutuelle qui gère l'essentiel des grands malades et ces fonds sont destinés aux grands malades. Donc ça nous a permis aujourd'hui d'être en contact avec les fournisseurs pour parler de ce montant qu'ils ont bien voulu octroyer à l'armée. Donc j'avoue que c'est une initiative heureuse et vraiment patriotique de leur part. Et c'est l'occasion de dire vraiment merci beaucoup pour ça. Ce geste du comité de fournisseurs des directions de services des armées, au-delà de son aspect symbolique, est d'une importance capitale car il contribuera à soulager les grands malades des armées. Des sous-officiers mécaniciens retraités de la direction du service du matériel des armées viennent de bénéficier d'appareils de diagnostic automobile. La cérémonie de remise de ce matériel a eu lieu le vendredi 19 février 2021 à l'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation, SI à Castor. C'était sous la présidence du général de brigade Mamadou Gueye, directeur de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, en présence de M. Dam Gueye, directeur général de cette structure. Compte rendu caporal-chef Yvette Tchoumsen. Ils sont 26 sous-officiers mécaniciens retraités de la direction du service du matériel des armées à recevoir des appareils de diagnostic automobile après un mois de formation à l'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation. Cette formation a pour but de permettre une réinsertion socio-professionnelle de ces sous-officiers. On a la parole le général de brigade Mamadou Gueye, directeur de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, a évoqué le partenariat avec le Fonds de financement de formation professionnelle technique, mais aussi la qualité du travail de ce centre. Donc c'est une cérémonie qui marque la qualité de la coopération et du partenariat fécond que nous avons avec l'Institut Perform, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui se manifeste à travers ces échanges de formation de nos élites militaires. Et ce n'est qu'un début, parce que nous comptons poursuivre vraiment ce partenariat au bénéfice vraiment bénéfique de nos institutions respectives
en relation avec nos partenaires comme le 3FPT qui nous accompagne dans ce sens. Donc, si j'ai tenu personnellement à venir assister à cette cérémonie, c'est parce que nous apprécions la qualité du travail que l'Institut exerce et son rôle pivot dans la formation socio-professionnelle des jeunes étudiants, mais également des militaires qui ont, après leur durée légale et leur état de service dans les armées, ont besoin de se réinsérer dans le milieu socio-professionnel. La remise d'appareils de diagnostic à ces sous-officiers mécaniciens retraités permettra de mieux renforcer leur capacité dans le domaine de l'automobile à l'ère du numérique. Monsieur Dam Gueye, directeur général de l'Institut supérieur des métiers de l'automobile. Cette formation était assez spécifique, donc elle concernait uniquement le diagnostic électronique avec la maîtrise des différentes bandes au niveau des systèmes. Donc à l'issue de la formation, normalement les participants doivent être en mesure de pouvoir diagnostiquer les éléments thermiques, le moteur thermique, les systèmes hydrauliques, les systèmes électriques, les systèmes de refroidissement, la lubrification, etc., des différents composants du moteur. En dehors de cela, donc la formation était divisée en deux parties. La première partie s'est déroulée en 2018 et la seconde partie en 2021. Donc là, en 2018, on a eu à faire le diagnostic électronique et en 2021 sur la programmation. Bien outillé pour faire face à ce secteur qui est le métier de l'automobile, l'adjudant-chef en retraite, Abdou Aziz Diagne, récipiendaire, apprécie l'initiative. Nous sommes des retraités. Moi, je suis à la retraite depuis 2007. On nous a appelés pour venir suivre les stages de réinsertion pour qu'on puisse avoir d'autres expériences sur l'électronique. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait dans l'armée, mais d'autres l'ont fait en Allemagne ou bien en France, dans les grandes écoles. Donc, vraiment, ça nous a rapporté beaucoup de choses. La finalité, ça peut nous servir. L'appareil-là que vous voyez, vous arrivez à détecter une panne sur un véhicule, ça vous rapporte 25 000 francs. Ça, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas important? 25 000 francs si tu l'as par véhicule. Si tu as 5 véhicules par jour, c'est de l'argent. Donc, c'est important. C'est très important. L'Institut supérieur des métiers de l'automobile, communément appelé PERFOR, est un creuset d'excellence qui forme des professionnels de l'automobile au service de l'État. Selon le général Gueye, cette formation au profit des sous-officiers mécaniciens retraités de la direction du service du matériel des armées leur sera utile, notamment dans la réinsertion socio-professionnelle. Une journée dédiée aux militaires du rang du 4e détachement sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie a été organisée le samedi 6 février 2021 à Kafenda, poste de commandement du dit détachement. Une activité qui a pour objectif de renforcer la cohésion et cultiver l'esprit de camaraderie au sein de la mission. C'était sous la présidence du lieutenant-colonel Lamine Sarr, commandant le 4e détachement sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. Reportage, sergent Amadou Faye. Cette journée dédiée aux militaires du rang du 4e détachement sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie vise à renforcer la cohésion et la fraternité entre les différentes unités, mais aussi et surtout à rehausser le moral de la troupe au sein du détachement après 5 mois de présence en terre gambienne. Le lieutenant-colonel Lamine Sarr, commandant le 4e bataillon sénégalais de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, sur l'importance de cette journée. L'objectif principal est donc de valoriser le temps de séjour en Gambie en prenant donc le commandement. J'avais dit que je veux faire vivre une communauté unie dans la discipline et la fraternité d'armes. Raison pour laquelle des actes du genre s'imposent pour donc faire vivre donc cette communauté. On ne peut pas parler de fraternité, de camaraderie, s'il n'y a pas des actes vraiment de cohésion. Cette journée même m'a également permis vraiment de donner au personnel l'occasion donc de s'exprimer pendant donc ce moment d'intenses actes sportifs, de se mesurer avec leurs camarades dans une émulation saine et surtout de s'élever donc par l'effort à travers ces disciplines. Pour vivifier cette journée et joindre l'utile à l'agréable, plusieurs activités ont été menées, notamment une finale interunité de volleyball, d'athlétisme, de jeux de dames, d'escrabble, d'exercice de rapidité, à savoir le démontage et remontage fusil M6 entre autres. Le caporal chef Abbas Dia, président de la catégorie des militaires du rang, s'est réjoui de l'organisation de cette journée. J'éprouve un sentiment de satisfaction et de fierté, car la fête était belle. Les compétitions se sont bien déroulées, les vainqueurs ont été récompensés par de nombreux lots,
Un repas de corps a été offert par le commandement. Le moral est très haut. Les gens se sont bien amusés. Au nom de tous les militaires du rang, je remercie l'état-major, le commandant de Senkan Misega et ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Pour le caporal Pen Diouf, ce genre d'activité est à pérenniser car elle leur a permis de s'épanouir entre camarades. Cette journée a également réveillé les souvenirs, les émotions et a surtout renforcé la cohésion et le moral des troupes. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée à travers des activités sportives et des jeux d'esprit pour maintenir nos liens de fraternité plus forts, pour vous dire à quel point cette cérémonie nous a marqués. Cette journée dédiée aux militaires du rang du 4e détachement Sénégal de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie, au-delà de son aspect compétitif, a permis de renforcer la fraternité d'armes et le moral de la troupe, pilier fondamental sur lequel repose notre armée pour mener à bien ses missions. Armée Nation reçoit aujourd'hui le lieutenant Normand Defrika Ndeki, pilote de chasse, pilote instructeur à l'armée de l'air. Au menu de cet entretien, la présentation, la mission et le profil de carrière des sous-officiers et officiers de l'armée de l'air. Un prétexte également pour faire un focus sur les modalités du concours d'entrée à l'école de l'armée de l'air, session 2021. Bonjour mon lieutenant. Bonjour sergent Diop. Mon lieutenant, la présentation pour les archives. Je suis le lieutenant Normand Defrika Ndeki. Je suis pilote de chasse et pilote instructeur à l'école de l'armée de l'air. Mon lieutenant, pouvez-vous nous faire une présentation de l'armée de l'air et quelles sont les missions assignées à cette entité? Alors, l'armée de l'air, c'est une composante de l'armée nationale. Elle a pour mission de participer à la défense du territoire national, notamment en ce qui concerne son espace aérien. Donc, son espace aérien au-dessus de la terre comme au-dessus de l'océan, qui est aussi l'espace maritime du Sénégal. Donc, cette armée de l'air a, pour accomplir sa mission, à sa disposition des aéronefs, notamment des aéronefs de chasse, de transport et des hélicoptères, et bien sûr du personnel, qui vaut ma présence aujourd'hui parce que l'armée de l'air recrute. Mon lieutenant, dans le cadre de la montée en puissance des armées, quelles sont les opportunités ou plans de carrière dont on peut prétendre au sein de l'armée de l'air? Alors, en ce qui concerne les opportunités pour les plans de carrière dans l'armée de l'air, elle va plus intéresser mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs des lycées et des universités du Sénégal et de nationalité sénégalaise. L'armée de l'air, on recrute tout type de personnel qui répond à nos critères pour former des pilotes, hein, des pilotes de chasse, des pilotes de transport, des pilotes d'hélicoptères et aussi des télépilotes, donc ceux qui vont piloter des drones et tout ce qui est appareil de commande à distance, et aussi des ingénieurs. Donc on va former des personnes recrutées pour être des ingénieurs, notamment dans la mécanique, dans la maintenance aéronautique, dans tous les domaines de maintenance aéronautique connus et dans les télécoms aussi. Voilà ce qu'on cherche à former et on a besoin de recruter du personnel pour ça. En même temps, nous formons aussi dans les spécialités techniques, dans la chaudronnerie, dans l'avionique. Voilà, c'est la seule entité où vous pourrez en découvrir et en apprendre dans l'avionique, dans l'armement de bord, dans la gestion technique des infrastructures et des équipements. Et nous formons aussi des mécaniciens navigants, des chaudronniers et toutes spécialités liées aux aéronefs que nous avons en dotation. Mon lieutenant, pour vos jeunes frères qui sont dans les lycées et qui veulent s'identifier à vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de votre parcours personnel? À propos de mon parcours personnel, j'ai fait un lycée de la banlieue du Sénégal dans une série scientifique et technique, en S3 plus précisément. Et moi, mon idée était de devenir ingénieur. Donc j'étais déjà passionné par la mécanique, par tout ce qui touche à ces aspects techniques des choses. Et j'avais déjà choisi ma voie. Après le bac, ce serait peut-être de faire une école d'ingénieur et de devenir ingénieur dans la mécanique. Lorsque j'ai fait le concours de l'armée de l'air, c'était parce que c'était le moment du concours, il fallait faire des concours. Et certes, j'avais cette passion, j'avais cette envie de le devenir, mais je me disais que voilà, tu pourrais ne pas y arriver parce que de toute façon, le concours, il y aurait beaucoup de personnes et que voilà, tout le monde voudrait le passer. Mais ça n'a pas été le cas.
À ma grande surprise, ça n'a pas été le cas. J'ai passé les étapes les unes après les autres. C'était pas aussi difficile que je le pensais. Il y avait du monde, certes, mais les spécificités de recrutement de l'armée de l'air font que tout le monde a sa chance pour intégrer cette entité. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de ne pas hésiter. Voilà, de ne pas hésiter, de tenter sa chance, de faire le concours, parce qu'il n'y a que comme ça que vous saurez si vous serez recruté ou pas. Mais si vous ne tentez pas votre chance, si vous ne vous inscrivez pas, si vous ne faites pas les démarches, si vous ne vous prenez pas de la peine à faire tout ça, eh bien, les chances pour que vous ne soyez pas recruté sont de 100%. Alors, venez faire le concours, inscrivez-vous, l'armée de l'air recrute, on recrute du personnel en nombre, vous avez tous vos chances. Voici mon conseil pour eux. Mon lieutenant, quelles sont les qualités d'un bon aviateur ? Alors, comme j'ai dit tantôt, un bon aviateur, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui aime son métier, qui le fait avec amour tous les jours, du matin au soir et du coucher du soleil jusqu'au lendemain, parce que nous, on travaille la nuit aussi dans l'armée de l'air, on fait des vols de nuit. Et c'est quelqu'un qui a le souci de son prochain, le souci de son camarade, donc qui a le sens de l'esprit d'équipe, qui a le sens de l'engagement et surtout le sens de la responsabilité. Parce qu'on opère des moyens qui ont un certain coût et qui est élevé. Et ces moyens sont mis à la disposition de personnes formées en ce sens et qui ont surtout le sens des responsabilités vis-à-vis de ces moyens et des personnes qui sont autour d'eux. Donc, si vous voulez devenir un bon aviateur, il faut être motivé à faire ce que vous faites tous les jours, aimer votre métier, avoir le sens de l'esprit d'équipe, de l'engagement, la passion, comme je l'ai dit tantôt, et surtout le goût de l'aventure, parce que dans l'armée de l'air, vous serez toujours comme dans un métier où vous serez à l'aventure quasiment tout le temps. Pour cette année 2021, le commandement compte organiser divers concours, notamment le concours d'admission d'élèves officiers à l'école de l'armée de l'air et celui de sous-officiers. Pouvez-vous revenir sur les modalités ? Merci pour votre question. Concernant les modalités d'admission pour le concours d'élèves officiers d'actifs, je rappelle juste que c'est ce concours-là qui ouvre la voie au métier de pilote de chasse, de pilote de transport et de pilote d'hélicoptère, et aussi au métier d'ingénieur aéronautique, donc tout ce qui va concerner la maintenance et les systèmes d'armement. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais âgés entre 20 ans et 25 ans, jusqu'au tout au plus, donc le 1er janvier 2021, donc entre 20 ans et 25 ans, et titulaire d'une licence d'études scientifiques ou techniques du premier cycle universitaire. Ce concours est ouvert à ces personnes ou toute personne qui serait en année de licence 3 et qui n'aurait pas encore obtenu son diplôme, mais qui peut faire le concours sous réserve. Concernant le restant des modalités, se rapprocher des bureaux de garnison dans les zones militaires pour plus ample information. Maintenant, concernant le concours d'admission d'élèves sous-officiers, pour rappeler aussi, c'est le concours qui permet d'accéder au métier de technicien supérieur en maintenance aéronautique, au métier de contrôleur aérien de l'armée de l'air. Et voilà, ce concours est ouvert aux candidats sénégalais âgés entre 18 ans et 23 ans tout au plus à la fin de cette année, donc au 31 décembre 2021. Et ce concours aussi est un concours de niveau bac. Il faut avoir le bac, donc être titulaire du bac S1, du bac S2, du bac S3 ou du bac S4. Ou alors, vous pouvez faire le concours sous réserve, c'est-à-dire en année de terminale en attendant le diplôme en lui-même. Donc, ces candidats peuvent postuler pour faire ce concours. Et pour le reste des informations, se rapprocher des bureaux de garnison dans les zones militaires concernées par le candidat. Voilà, mon lieutenant, hormis Dakar, est-ce que le concours sera organisé dans les autres régions du pays ? Tout à fait. Le concours sera organisé dans les régions de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Tambacounda. Quel est le programme ficelé à cet effet ? Alors, pour les épreuves, elles se scindent en deux parties, les épreuves physiques et les épreuves écrites. Donc pour les deux concours, les épreuves physiques sont les mêmes. C'est des épreuves de 100 mètres, 1000 mètres, de grimper à corde, de saut en hauteur et en longueur, de lancer de poids. Alors, elles se dérouleront dans les centres retenus que j'ai cités tout à l'heure, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Tambacounda. Pour le concours des élèves officiers, c'est du mercredi 21 au jeudi 22 avril
2021 et pour le concours des élèves sous-officiers. Concernant les épreuves physiques pour le concours des élèves sous-officiers, c'est du mercredi 5 au jeudi 6 mai 2021. Les épreuves écrites, elles, seront composées essentiellement de matières scientifiques et le français. Donc, comme épreuve écrite, vous aurez les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais. Ça pour les deux concours. Hein. Donc celui des élèves officiers d'active sera de niveau licence 3 et celui des élèves sous-officiers de niveau terminal. Concernant les épreuves écrites pour le recrutement des élèves officiers d'active, il sera mis en place aussi des tests psychotechniques, R, qui seront effectués pour préciser le recrutement des pilotes. Voilà. Mon lieutenant, votre dernier mot. Voilà, mon message pour les auditeurs, et il va à l'endroit précisément de nos plus jeunes auditeurs, de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs. Le concours de l'armée de l'air est ouvert, l'armée de l'air recrute. Soyez curieux, intéressez-vous, partagez autour de vous cette information, parce que c'est important que ceux qui rêvent d'être pilote, ceux qui rêvent de travailler dans l'aéronautique et que vous en connaissez certainement, de leur donner cette information parce que ça pourrait leur permettre de réaliser leur rêve. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Intéressez les personnes qui vous ont déjà parlé des métiers aériens parce que dans l'armée de l'air, on les recrute et on les forme. Merci Sergent Diop. Chers auditeurs, nous voici au terme de l'entretien. Je rappelle que nous étions avec le lieutenant Normand Defirka Ndeki de l'armée de l'air. La rubrique « Que sont-ils devenus ?» a reçu le capitaine à la retraite Mamoudou Sarr, parrain de la salle de sport de l'état-major général des armées. Sportif dans l'âme, il a été recordman du Sénégal au 400 mètres et double champion d'Afrique au 4 x 400 mètres et. Il est actuellement le président de l'association des anciens athlètes du Sénégal. Dans cet entretien, il revient sur sa carrière sportive dans les armées, son agréable surprise d'être désigné parrain de ce nouveau joyau, et ses nouvelles activités après une vie bien remplie sous les drapeaux. Il est au micro de son homonyme, le sergent Mamoudou Sarr. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Vous voudrez bien vous présenter à nos auditeurs de Armée Nation. Eh bien, mon nom c'est Mamoudou Sarr. Je suis né à Saint-Louis du Sénégal en 1938. J'ai été incorporé dans l'armée en 1959, affecté au 7e RTS à Tcharoé, avant d'être reversé dans l'armée sénégalaise en 1960. Et j'y suis resté jusqu'au jour où j'ai quitté en 1993. Successivement, j'ai gravi tous les échelons de l'armée, du galon de caporal au galon de capitaine. Voilà. Vous avez fait une brillante carrière dans les armées avant de faire valoir vos droits à la retraite. Pouvez-vous un peu nous résumer votre passage au sein de cette institution? Mon passage, c'était un passage clair, limpide. Vraiment, l'armée sénégalaise, je n'ai pas de mots pour remercier les autorités successives qui ont eu à me gérer, qui ont été mes chefs. On m'a donné toutes les possibilités imaginables et inimaginables pour faire une brillante carrière. Je suis parti du galon de caporal au galon de capitaine sans entrave. L'armée m'a permis de faire tous les stages possibles que je désirais faire ici ou ailleurs pour arriver à faire des diplômes civils ou des diplômes militaires de haut niveau en France et un peu partout quand je le voulais. Maintenant, et si on se focalisait un peu sur votre carrière en tant que sportif des armées? Sportif des armées, je suis parti de l'école. De l'école, j'ai incorporé, j'ai trouvé encore du sport dans l'armée, j'ai continué. On m'a donné toutes les possibilités dans l'armée pour faire du sport. Et je faisais du football, du cross, je faisais de l'athlétisme, je faisais également du handball. Parce qu'en ce moment, le handball commençait à venir. Je faisais aussi du handball. Tous les sports de ballon, je le faisais au niveau de l'armée. Soit au 1er bataillon, où j'ai été affecté finalement, avant de décliner vers l'ASFA, où on a créé le sport militaire. Parce que l'ASFA, on l'a créé parce qu'on a vu que les sportifs militaires faisaient partie des meilleurs sportifs du Sénégal. Et voyant qu'il y avait une disparition, les chefs ont eu le flair de regrouper tout le monde au niveau d'une association pour ne pas disperser les forces qu'il y avait dans l'armée. Donc c'est comme ça que nous sommes venus créer l'ASFA pour avoir de très grands sportifs au niveau des armées. Vous souvenez-vous des médailles que vous avez obtenues?
J'ai commencé déjà à partir des Jeux de Dakar. Avant les Jeux de Dakar, j'ai été champion d'AOF. J'ai été recordman d'AOF. L'indépendance arrivée, j'ai gagné la médaille d'or en 63 à Dakar, aux 400 mètres. J'ai récidivé encore en 65 à Brazzaville. J'ai gagné encore la médaille d'or aux 400 mètres et aux 4x400 avec l'équipe nationale. J'ai continué à faire beaucoup de sport au niveau civil en tant que militaire. En ce moment, la SOA n'était pas encore créée. Et je courais sous la bannière civile et les militaires m'ont donné toutes les possibilités de le faire sans entrave. Vous étiez un peu le spécialiste de l'athlétisme dans les armées. Bon, on peut dire que, comme vous le dites si bien, je faisais indifféremment 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, relais et décathlon, 10 épreuves, où j'ai brillé, j'ai fait beaucoup de bonnes performances. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, tout ça, ça a été corroboré par ce que l'armée a fait, ce que l'armée a permis que je sois l'un des meilleurs athlètes de ce pays. Mm-hmm. Parce que c'était une fierté pour mes chefs militaires de me voir aller partout, faire des résultats. Parce qu'avec l'armée, j'ai pu obtenir la possibilité d'aller dans les 5 continents pour représenter et le Sénégal et par ricochet les forces armées. C'est ça qui m'a beaucoup motivé pour faire de... À chaque fois, j'avais une pensée à l'armée jusqu'à ce jour. Je ne pouvais pas m'appeler Mamadou Sarr, militaire, et être parmi les plus mauvais. Ça m'a beaucoup motivé. Ce qui vous a fait l'honneur d'ailleurs d'être choisi ce matin comme parrain de la salle de sport de l'état-major général des armées, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vous assure, c'est le summum de ma fierté. Les 4 présidents de la République qui sont succédés dans ce pays m'ont honoré, m'ont appelé jusqu'au palais pour m'honorer pour les résultats que j'ai faits. Mais la science d'aujourd'hui n'a pas d'égal. Vraiment, j'ai même versé des larmes devant mes collègues militaires et surtout devant mes enfants qui sont de grands garçons. J'ai été touché jusque dans mon être. L'armée sénégalaise, je ne peux pas remercier davantage le chef des armées et mes collègues soldats. Et tout le monde m'a accueilli comme si j'étais encore en activité. C'est une fierté pour moi d'avoir appartenu à ce corps. J'y appartiens encore, malgré que je sois en civil. Mais vraiment, j'ai obtenu beaucoup de fierté, mais celle d'aujourd'hui n'a pas d'égal. C'est le sommet de la hiérarchie pour moi. Après le métier des armes, vous n'êtes pas resté inactif sans doute. Que faites-vous aujourd'hui? Mais l'armée m'a poussé encore à toujours aimer le sport. Parce que si je ne fais pas le sport, je vais faire autre chose et je ne veux pas divaguer. Je fais le sport en pensant que je suis encore soldat. D'ailleurs, les gens que j'entends me disent « Tonton, tu n'es plus soldat, il faut arrêter. » J'ai dit non, je fais encore du sport pour aider les jeunes qui sont avec moi, pour être utile à ce pays, pour utiliser ce soldat, parce que je veux être utile devant mes semblables. Voilà pourquoi je ne peux pas arrêter. Et maintenant, vous faites du coaching un peu? Oh, je suis coach parce que Dieu a fait. Comme j'ai dit, l'armée m'a permis d'avoir beaucoup de possibilités dans tous les métiers du sport, que ce soit la préparation athlétique, que ce soit la gymnastique, que ce soit la natation, l'athlétisme, le football. Et je fais du coaching, je peux aider qui veut, je l'aide gratuitement pour être utile parce que on m'a aidé, il faut que je retourne. C'est le retour de l'ascenseur. Voilà. Votre dernier mot, mon capitaine? C'est prier pour tous ceux qui m'ont appelé ici aujourd'hui, m'ont encadré, m'ont permis d'être ce que je suis devenu encore. Parce que c'est une fierté pour moi de dire capitaine Sarr, partout où je passe, on dit que c'est l'armée qui m'a préparé. L'armée m'a façonné pour que je devienne ce que je suis. Bravo les chefs de l'armée, bravo l'armée sénégalaise. J'ai dit, nous avons une grande armée. J'ai dit ici, si les soldats ne font pas ce qu'on attend d'eux, le sport, parce que le sous-bassement du sport sénégalais, la colonne dorsale du sport sénégalais, c'est les soldats. Si les soldats ne tiennent pas le coup, le sport sénégalais va décliner. Et on n'a pas le choix. Mon capitaine Armée Nation vous remercie. Nyoko Boko Djeridje, c'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que nous étions avec le capitaine Mamadou Sarr, un ancien des armées, et qui est parti à la retraite, qui a été choisi comme parrain de la salle de sport de l'état-major général des armées. Les avisés communiqués avec le caporal-chef Yves Tchoumsen. Fidèles auditeurs, merci d'être à l'écoute de votre rubrique Page Sport, les résultats sportifs de la semaine du 15 au 21 février 2021. Basketball.
La Coupe du maire de Dakar édition 2021 s'est déroulée au Stadium Maris Ndiaye le vendredi 19 février 2021. HLM Dakar bat l'association sportive des forces armées sur le score de 66 à 57. Rugby. La cinquième journée championnat rugby à 7 s'est déroulée au terrain de Thiès le dimanche 21 février 2021. L'association sportive des forces armées bat EPG sur le score de 49 à 0. Kirène sur le score de 26 à 19 et Mbour sur le score de 24 à 0. Football. La septième journée championnat national 2 s'est déroulée au stade Amadou Barry. Le dimanche 21 février 2021, l'association sportive des forces armées bat Modèle de Mbao 2 buts à 1. Chers auditeurs, c'était tout pour vos résultats sportifs. La voix des Djambars. Amis auditeurs, nous vous laissons avec le fonctionnaire caporal Rokaya Kan qui vous fera voyager dans le monde des décibels. Jamais. Fidèles auditrices et auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour vos dédicaces. Ce morceau est dédié au sergent Racine Diop du bataillon de l'intendance, sa maman Fatma Diouf à Thiès, son oncle Kan Diouf à Rufisque, son épouse Anne-Marie et ses enfants Mohamed Ndaï Fatma, dite maman. Ce morceau est dédié également au capitaine à la retraite Pape Samba Diallo, dit PA, et à toute sa famille. Madame Mendy, née Anna Ndiara Gomis, offre ce morceau pour faire plaisir à René Preira, Joseph Preira, Nabou Sissé, Youssou Wad, Asa Kamara, Fatou Faye, Adji Sohna, tous à Thiès. Ce morceau est dédié au sergent-chef Abdou Absafal du 6e bataillon d'infanterie, au sergent Ndofène Diouf, au caporal-chef Alassane Sagna, tous au bataillon des parachutistes, sans oublier Madame Amissar, à Mariam Diouf et ses enfants, tous à Pikine Guinaouraï. Ce son tournera également pour faire plaisir au commandant Moussa Ndour du bataillon des blindés. Ce morceau est dédié au sergent Majib Nyanko, à la Kofi Mako à Adeyan, à son épouse et ses enfants. Ce morceau est offert pour faire plaisir à Mansour Kan et sa famille, à Abdoulaye Diop, Ngaï Diop et sa famille, tous à Saint-Louis. Ce disque est offert également pour faire plaisir à tous les membres de la classe 95-3, particulièrement les amis de Dakar et à leur famille. Big dédicace à Madame Daouné Adja Abi, à Rabi Gueywon, à Farma Bigé, à Amadou Ali, Fatou Mengewon, Mohamed Won, à Khadi Naila, à Nafissatou Won, tous à la cité Soprime et à la cité Impo et Domaine. Ce morceau tournera également pour faire plaisir à Hassane Doucouré, son épouse Amitiare et ses enfants à Guédiouaï. Chers auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Jamais, je ne te laisserai jamais partir. Jamais, cause I don't wanna be alone. Jamais, je ne te laisserai jamais partir. Jamais, cause I don't wanna be alone. Jamais, tu me dis que tu ne m'aimes plus, je ne te crois pas. Tu me dis que tout est fini entre moi et toi. Mon boulot m'a pris mon temps, j'ai souvent été absent. J'ai souvent pas eu le temps de te consacrer un peu de mon temps. Ne me quitte pas, ne me laisse pas seul. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Quand on est pas sauf que tu sors, t'as mis ton nom. Let me turn it off, man, I follow.
sais, le temps ne m'a souvent pas permis d'être avec toi. Mais sache que je t'aime, je pense à toi. Ni du bon. Please enlève, mais j'ai vraiment besoin de toi. Chers auditeurs, nous voici au terme de votre émission. Vous aviez à la présentation le sergent Alassane Diop, à la cabine technique le sergent Famara Bodian. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, bien de choses à vous et à vos proches. Collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal.